Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode des tutos mixologie. Après avoir vu ensemble les semaines passées le cocktail Casa de Papel Lucifer, aujourd'hui ça va être quelque chose d'un peu plus proche de la chimie que de la mixologie. Mon cocktail préféré, il s'agit du cocktail Say My Name Breaking Bad. Alors c'est pas compliqué, ce cocktail est aussi génial que la série. Comme tout bon chimiste, il faut s'équiper. Les gants, visière de protection, je déconne. Trêve de plaisanterie, passons à la fabrication. Alors comme d'habitude, notre shaker, notre verre doseur, vous aurez besoin de rhum, je vous conseille l'Havana, c'est quand même le meilleur, du jus d'ananas, du jus de coco, ou du lait de coco si vous avez, du curaçao bleu, et enfin du sucre de canne. Ça promet. On va donc commencer par 4 cl de rhum, comme ceci. On va mettre environ 5-6 cl de jus d'ananas, environ 5-6 cl également de jus de coco, un trait de sucre de canne, et 2 cl de curaçao bleu. Et on va shaker tout ça. Et vous allez me dire, il n'y a pas de glaçon. Alors effectivement, j'ai pas mis de glaçon à l'intérieur du shaker parce que la glace sera pilée. Pour réaliser de la glace pilée, vous avez plusieurs solutions. Pas super. Une broyeuse. Je vous conseille de prendre un torchon, de disposer les glaçons à l'intérieur et de frapper violemment sur un plan de travail, une table, ce que vous avez, un mur. Une fois que c'est fait, mettez les glaçons dans le bol. C'est le cocktail le plus sportif. Superbe glace pilée. J'ai vraiment sorti un verre de circonstance. D'ailleurs, pour le servir, je vais m'équiper. Je vous préviens, c'est de l'art. Surtout pas en laisser une goutte. Vous allez compléter ce verre par de la glace pilée. J'ai l'impression d'être chimiste. Ah, je suis un peu Walter White. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Vous n'avez pas encore goûté. Reste plus qu'à y mettre une petite paille. Évidemment, j'ai tout prévu, regardez. Ah, je peux pas faire mieux. C'est la fin de ce tuto mixologie Breaking Bad. J'espère que cela vous a plu. J'ai adoré cette expérience. Je suis fou de ce cocktail. Donc si vous le goûtez chez vous, je vous le dis tout de suite. Hein. La prochaine fois que vous venez au paddock, ça va faire comme ça. Bonjour, je peux avoir un Breaking Bad, s'il vous plaît? Calme-toi. Déjà, tu respectes les distances de sécurité. Évidemment. Petite parenthèse. Toute l'équipe du paddock travaille ardemment pour vous recevoir au plus vite. Dans les meilleures conditions possibles. Donc distance de sécurité, plexiglas, tout y est. Je refais en la parenthèse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !